un grand Dieu merci pour le risque. Ah, le risque vient aussi. Voilà l'équipe risque. Le risque arrive. Ouais. Faudra là, il est là. Pied, sans doute. Hein. Madame a des cheveux qui viennent cassés, fracture ouverte. Douleur à l'épaule gauche. Pour, est-ce que vous savez aller voir à côté pour voir si on sait avoir un point fixe de façon à mettre une sangle ici au-dessus. D'accord. Ouais. Donc, vous sonnez chez le voisin. Fracture de tibia, fracture ouverte. Est-ce que vous avez des douleurs à la nuque? Qu'est-ce que tu veux que je fasse par rapport aux douleurs à la fracture? La nuque, le dos, vous avez mal aux épaules? Oui, épaule gauche. On va devoir l'envoyer en bas. Le bassin, vous avez mal au bassin ou pas? Ouais. Nous sommes arrivés vers 8h, on a eu l'avis qu'une personne était tombée dans un puits. Ce qui arrive rarement dans une intervention en termes du risque, c'est qu'on doit immédiatement accéder à la victime alors qu'il n'y a aucun secouriste qui avait eu accès à elle. Et donc on est descendu à elle, on l'a abordée très rapidement. Plus long que toi. Pas plus vite que ça les gars, pas plus vite que ça. On va passer bientôt un cap difficile. Voilà madame. L'action, on continue. Ok, du mou dans les cordes. Du mou. On a pu l'extraire comme vous avez certainement vu sur les images. L'intervention s'est très bien passée. Alors apparemment elle est bien tombée bien droite et donc elle a une fracture au niveau des tibias péronées, double fracture ouverte. Donc on a simplement stabilisé là-bas avec des attelles sur le bas et on a pu la remonter avec les moyens assez pauvres parce que l'espace était très très réduit.